La Polynésie française, un véritable plaisir pour les yeux. Ces îles et atolls sont d'extraordinaires perles turquoises posées sur l'océan Pacifique. Mais ne nous y trompons pas, comme sur le reste de la planète, les récifs coralliens et les espèces qui y vivent sont en grand danger. Coraux, poissons et mammifères voient sans cesse leur nombre diminuer. Les côtes polynésiennes n'échappent pas à cette désastreuse tendance. Selon l'IUCN, les tortues marines atteignent même un niveau critique parmi les animaux en péril. La liste rouge des espèces menacées de disparition classe la tortue verte comme espèce en danger et la tortue imbriquée comme espèce en danger critique, soit le dernier stade avant son extinction dans la nature. Depuis 2004, l'association polynésienne Te Manao Te Moana recueille, soigne, puis relâche dans leur milieu naturel des tortues blessées notamment par les activités humaines. Des permanents et des bénévoles se relaient chaque jour au chevet de ces pensionnaires. Et ce, jusqu'au jour où les tortues peuvent enfin retrouver leur habitat naturel. Régulièrement, des groupes scolaires, de locaux et de touristes sont accueillis pour découvrir les tortues et les activités de l'association. Un moyen d'informer et de sensibiliser sur les dangers qui pèsent sur ces reptiles marins. Cette année, l'association Viracocha, spécialisée en éducation à l'environnement et en création audiovisuelle, a décidé de leur venir en aide. Le but est de réaliser un film documentaire sur les activités et missions de l'association Te Manao Te Moana. Ce film leur servira d'outil pédagogique pour continuer à sensibiliser un large public et bien sûr à protéger les tortues marines. Aidez-nous dans cette entreprise pour que les générations futures puissent elles aussi contempler dans la nature ces paisibles et fantastiques animaux.